Depuis le capitaine n'est pas là. C'est là je l'en fais là. Hi, moi ça m'arrange pas là. Ça m'arrange pas mieux. La Judin. Toi au moins tu as été pensionnaire. Tu n'as rien vu. Ici dans ce commissariat. Dès que tu touches net, l'adjudant te parle de son grade. Mais moi je n'ai pas manqué de lui dire. Si avant ma retraite, je serai aussi commissaire. Ah, en tout cas, c'est mieux là. Avec tes deux îles aussi, c'est mieux. Oh. Bon, non. Ah, ok, ok. Allez, travaille. Bon. Sergent-chef, selfie. Mogo, vous étiez là-bas, j'entendais des murmures. Qu'est-ce qui se passe? Je vous mets toujours en garde. Je n'aime pas les murmures dans ce commissariat. Vous les aimez pas, c'est moi qui suis le chef. Je vous préviens. À partir de désormais, si vous venez en retard, vous vous prenez pour qui? Sergent chef selfie. Oui, mon adjudant. Lui, il est ton subordonné. Tu ne veux pas donner l'exemple? Non, c'est juste. Hé, hey, silence! Je parle et tu parles. Ici, dans le commissariat, s'en fout. Quand je parle, on se tait et on écoute. Je n'aime pas ça. Quelle est de maman? Et demain, vous pleurez, pleurez. Oui, on m'a renvoyé. Je vous tiens à l'œil. Commissariat s'en fout, commissariat s'en fout. Ah, hila. Vraiment. Non. C'est affaire de poulet là, ça me fatigue. Depuis, le policier dit moi d'envoyer poulet pour toute son famille. Papa, grand-mère, enfant, tout le monde. Mais poulet là même là, petit qui est là même. Ça ne grossit pas de payer nourriture jusqu'à y a fatigué. Vraiment. Non. Ça frôle là. Viaka, bonjour. Bonjour. Mais c'est qui? C'est moi, vendeur de poulet. Yeri, mais toi, t'as dit là, ça y est dans la noix. Mais là, toi, tu t'en vas où comme ça? Il est parti dans le commissariat là. Où? Dans le commissariat? La commissariat qui est tout près ici là. Ouais, je sais. Toi, tu vas partir dans la commissariat. Moi, je suis partout là-bas. Les gens là, la police là, ça n'a pas résolu ma problème. Affaire de poulet, moi, ma poulet là, la volée là, ça volait tout, patron. Mais quand je suis parti là-bas, la police là n'a pas résolu mon problème. Toi aussi, tu vas voir là-bas. Mon petit, mon problème là, c'est gros. C'est gros. Tu vois. Mais toi, t'as essayé, ça est dans la loi. Comment tu vas voir la police même pour parler de ton problème? Parce que moi, je suis parti là-bas. Ils n'ont pas fait mon problème. Bon, viens. Bien. Comment si ça il va parler, il va voir. Ah, d'accord. Comment ça est tout près là? Il y a tes compagnies là-bas. Bon, faut faire doucement. La caillou là, c'est gros. Viens, on va voir. Attends, il y a des vues là, caillou là. Et sans frôle là. Vraiment. Là. Doucement, là, commissariat, c'est pas loin. Vas-y, on arrive. Vas-y, la porte là. Faut frapper, tu vas rentrer. La police, tout, c'est dedans. Moi, je vais voir. Il y a des temps dehors. Faut pas la police, ça va me voir. Hein? Bon. Coco. Oui, monsieur, entrez. Mon fils, ne vois pas clair ou... Ah bon? Venez. Mais, qui vous accompagne ici? C'est un petit. Je vais vous accompagner jusqu'au poste. Asseyez-vous. Papa, ça va?
Mon fils, ça va? Ok. Ouais, papa, les nouvelles. Mon fils, les voleurs là, ils ont passé chez moi là-bas, volé tout mon argent. Ah bon? Je suis venu vous voir pour prendre convocation pour donner. Mais papa, tu dis que tu ne vois pas clair. Et puis tu ne mets pas de convocation. Comment tu vas faire pour remettre à ton voleur? Mon fils, c'est pas votre travail? Ah mais, c'est pas comme ça. Au moins si tu l'avais vu. Viens là. Sergent Bobo! Oui, mon adjudant. Mais qu'est-ce que j'entends? Tu veux donner une convocation à un voleur? Non, mon adjudant. Mais tu manques de compétences, mon sergent. Mon adjudant, c'est pas ce que j'ai dit. Quoi? Raconte. Je voulais seulement écouter le vieux et puis vous voir tout à l'heure. Sergent Bobo! Non! Je vous ai toujours dit, c'est moi le chef ici. Sergent chef selfie. Mais écoutez, où est-ce que vous mettez tout ce que je vous enseigne depuis des années? Comment donner une convocation à un voleur à quoi? Je comprends pas. Mon adjudant, c'est pas ce que je voulais faire. Tais-toi! Selfie, c'est pas ce qu'il a dit? Mais écoutez, je ne comprends pas dans ce commissariat. Mais sergent Momo, je suis le seul et capable de traiter ces cas. Tu es incompétent. Hey, lève-toi et envoie le vieux à mon poste. Oh. Papa. Oui, mon fils. On va voir la vie d'en bas. C'est... Doucement. Papa. Oui, mon fils. Oui, venez. Commissariat s'en fout, commissariat s'en fout. C'est le mot. Tu as vu. Mon adjudant, il veut tout faire seul. Tout faire. Maintenant, nous, on vient au service ou quoi? Ah. On verra la suite. Tu pourras terminer. En tout cas. Adjudant zélé. Le vieux. Tu sais, au commissariat ici, c'est moi le chef. Oui. Tout ce que tu as dit là-bas, là, ça n'a pas de sens. Tout a un sens à mon niveau ici. Donc, le vieux, tu disais quoi, vous me fallait maintenant. Mon fils, hier la nuit, les voleurs sont venus chez moi. Ils ont volé tout mon argent. Je n'ai pas l'argent encore. Moi, je ne connais pas. Mon fils, il ne voit pas clair. Mon fils, voilà l'argent. Faut compter pour moi. Le vieux. Mon petit. Donc tu as vu. Oui. Tu ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Mais le vieux, mon comment fils. Tu as fait pour savoir que les gens ont volé tout ton argent? Mon fils, les voleurs là, ils sont venus, l'argent là. Je sens l'odeur de l'argent. Ils ont pris tout l'argent là. Ce qui est resté là, c'est ça qui est là. Donc tu sens l'odeur de l'argent. Oui, mon fils. Bon, actuellement, ce que tu as déposé sur la table, ça fait combien? Mon fils, ça là seulement, je ne connais pas. D'accord, je vais compter. Mon fils, il faut compter. Le vieux, pas clair, hein? Ah, le vieux. D'accord. Mon fils, faut m'aider. D'accord. Le vieux, tout l'argent là, ça fait. Ça fait 6 000. Koukoubou. Mon fils. Les gens là, ils ont pris tout mon argent. L'argent de cacao là, c'est beaucoup. C'est combien comme ça, le vieux? C'est beaucoup. Ça peut arriver 600 000. Oh. Ils m'ont tué. Mon fils. Mais mon argent là. Il n'y a pas de monnaie dedans.
Mais pourquoi c'est mes 6 000? Le vieux, c'est 6 000 que tu as envoyé. Mon petit, l'argent j'ai envoyé là. Mon argent, il n'y a pas monnaie dedans. Non, mais le vieux. Oh, c'est Jean Momo. Oui, c'est un cher selfie. Venez, venez, venez. Venez compter l'argent du vieux, je vous prends témoin. Mais, mon adjudant, tout à l'heure, tu m'avais dit que ce n'est pas à mon niveau. Ah ben, c'était pas à ton niveau, maintenant je t'appelle. Tu dis de venir compter l'argent, tu dis quoi? Ok. Dépêchez-vous là! Selfie, compte l'argent! Et ça fait combien? 6 000. Dis ça au vieux. Papa, c'est ça, hein? C'est 6 000. Ma fille, l'argent, c'est 5 000 billets ou bien c'est 1 000 francs? Non, c'est 4 billets de 1 000 francs et puis 1 billet de 2 000. Ma fille, j'ai parlé que je comprends au dé de l'argent. L'argent est envoyé là. Il y a 10 000 et puis il y a 5 000. Pourquoi? Non. Mais le vieux, tu penses qu'au commissariat s'en fout ici? Nous, on est là pour voler l'argent des vieux aveugles? Non! Mais mon fils, l'argent là, c'est beaucoup. Nous ne sommes pas des voleurs ici au commissariat s'en fout. Nous sommes des petits voleurs, un vieux l'argent des vieux. Eh, le vieux, là, tu m'énerves maintenant. Parce qu'on dirait que tu m'accuses. Momo! Oui, mon adjudant. Mets le vieux dehors. Mon fils. J'ai pris mon adjudant. Comment faire ça là? Mon fils, tu vas mettre. Eh, donne-lui son argent. Mon fils, l'argent. Levez-vous, s'il vous plaît. Le vieux est pas dans le commissariat. Alors. Mon fils, l'argent c'est bon. Mais l'argent ça donne malin. Ah, Dieu vous voit. L'argent là, ça va pas un problème. Mon petit. Oui, papa. L'argent envoyé là, c'est beaucoup. Hein. Mais votre patron là, il n'est pas bon. Et pourquoi? L'argent envoyé là, c'est pas ça. Votre patron, il a pris l'argent là. Vous voulez dire que mon adjudant est un voleur? Non. Ici au commissariat, s'en fout. On fait notre travail. On n'a jamais volé. Chef, Dieu lui voit. L'argent, c'est pas bon. Ça va aller. Ça détruit. Mais le vieux, il pense que quoi? On est là. Toi, un vieux, tu vas pas clair. On te vole, tu viens te plaindre. Et puis en plus, tu enlèves l'argent, tu te déposes. Tu sens l'odeur de l'argent. Mais tu sens l'odeur, il faut sentir l'odeur des 6 000 francs. Au commissariat, s'en fout. On s'en fout. L'argent, l'homme, nous on prend. Oui, mon fils. Au revoir. Ah, d'accord. Bonne chance. Merci. Ok. Je vous vois. Commissariat s'en fout. Commissariat s'en fout. Attends, j'ai eu combien là? Parce que j'avais 6 000 francs que je lui ai donné. Ça fait 35 000. 35 000 moins 6 000, avec 29 000 de bénéfices. Hey, le commissariat s'en fout. Eh, le vieux, on est après. Ah, bah, si un vieux comme ça pouvait venir, ça serait bon pour ma journée. Le commissariat s'en fout, le commissariat s'en fout. Mon fils, il y a eu un problème. Moi, il t'a parlé. La commissariat qui est là, faut pas que tu vas mettre à pied là-bas. J'ai pris mon argent parti là-bas. Il n'a qu'à compter l'argent là. Il m'a volé mon argent encore. Sans fourre là. Voler ton argent encore pour comprendre. Chef qui est dans le commissariat là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Moi, il t'a parlé. La commissariat qu'elle a là, c'est pas bon comme ça. C'est comme ça, là, s'en fout. Il s'en fout de l'argent, il s'en fout de l'homme. Mon fils, tu as parlé la vérité. Commissariat s'en fout, commissariat s'en fout. Commissariat s'en fout, commissariat s'en Commissariat s'en fout, commissariat s'en fout. Chef, l'adjudant a dû prendre l'argent du vieux. Non, c'est Jean.
Toi aussi. Et après, ils nous appellent pour témoigner. C'est suspect. Non, c'est Jean. Tu es le moins gravé ici. Donc, il ne faut même pas parler d'affaires de l'adjudant. Non, non, non. Tu ne peux même pas mettre ta bouche dedans. Laisse-le comme ça. Mais l'adjudant, bon, c'est quelqu'un qui est un peu sévère, mais il ne peut pas voler. C'est pas un voleur. Ah, ok, ok, ok. C'est pas un voleur. Oh, je vous regarde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller travailler. Ok. La vie est belle. Commissariat s'en fout, commissariat s'en fout, commissariat s'en fout, commissariat s'en fout.